Ben c'est génial, tous les ans on est là. Toujours, chaque année depuis que je suis petite. On vient d'emménager à Villiers-le-Bel, c'est appréciable d'avoir un espace comme ça. Comme d'habitude, bien organisé. C'est très bien organisé, c'est très bien. C'est sympa, on connaissait pas. Ça nous permet de découvrir des associations qu'on connaît pas spécialement dans la ville. Il y a beaucoup de choix, donc c'est un peu compliqué, mais ça va. Oui, c'est super intéressant. On a découvert plein de belles associations, de nouvelles activités pour les enfants, peut-être, pour nous-mêmes. J'ai inscrit mon fils et je me suis aussi inscrite à l'association des femmes. Handball, le basketball, de la danse. J'ai fait tennis, j'ai fait taekwondo, foot, handball, basket. Le basket et le taekwondo. La gymnastique. La gym, l'aquagym pour moi par exemple, la gymnastique douce. Pour des cours de maths pour ma fille et aussi pour voir des cours de yoga. De l'activité manuelle. Voir justement les échecs, il inscrira à la boxe et là on cherche le basket. On essaie de voir pour la gym, bébé gym pour la petite, judo et peut-être boxe française ou boxe pour les grands. Et là j'ai vu boxe et ça m'intéresse beaucoup boxe. Avec mon fils et ma fille, qui est intéressée par les sapeurs-pompiers juniors. J'ai vu la natation, le basket, le foot, le golf, plein de trucs. Il y a le judo aussi qui nous a interpellés. C'est génial parce que j'ai pu voir mon prof d'échec. Alors, on a vu le PDH. Du foot en salle, handball. Le judo aussi, parce qu'ils sont inscrits pour le judo. Les conservatoires de musique. Du piano. La musique, ouais, il y a la musique. Plusieurs ateliers d'art, de théâtre. Mes remerciements à vous tous, tous les bénévoles. Vous avez donné beaucoup de temps pour que ce forum des associations soit riche. Vous étiez environ 93 associations, c'est beaucoup. Nous avons pu accueillir 1200 habitants et je vous en remercie.